pas énormément de monde. C'est pas un 1er mai grand prix, c'est une année pas énormément de monde, je partage pas. 2000 manifestants, c'est pas mal. Oui, effectivement, il y a la pluie, il y a un certain nombre d'autres choses. Il y a effectivement, on n'est pas forcément tous d'accord sur le même mot d'ordre. Et donc, ça fait aussi en sorte que le Dimitri Sarika n'a pas appelé aujourd'hui à la manifestation. Mais on est satisfait sous la pluie d'avoir un certain nombre de militants qui sont venus pour dire non à l'austérité. C'est difficile de mobiliser en commun, mais quand on regarde dans les entreprises, il y a quasiment tous les jours quelque chose qui se passe sur le département. Et là, dans la Haute-Rame, on a dans d'autres cas la clinique de l'Oranger, enfin, ça continue de se mobiliser un peu partout pour les salaires, les conditions de travail. Et donc tout ça, ça fait partie d'un tout. Mais c'est vrai, se mobiliser le même jour ensemble, c'est très difficile. On voit la CFDT n'est pas là, ça ne donne pas une bonne image. On a vu le sondage qui est parti à deux jours. Difficile, mais effectivement l'image du syndicat, c'est pas forcément une manifestation pour